Donc nous sommes repartis pour plus de Grand Dead. Donc on est sur le chemin déjà pour se rendre sur le haut du jardin. Alors j'ai augmenté des armes. Donc la masse à une main et la masse à deux mains, je l'ai augmenté au niveau 7. Car je voulais en fait augmenter un peu des armes au niveau 7 par rapport à leur puissance, vu qu'elles gagnent 10% à chaque... 10% oui c'est bien ça. À chaque fois, et je me suis dit, on va prendre des armes en fait qui ont déjà un élément, et qui sont bien hein, quand même, mais qui ont déjà un élément, comme ça on n'a pas à choisir. Donc du coup la masse salée et la masse de froid. Ces deux là en fait vous n'avez pas à choisir, quand vous passez de 5 à 6 vous n'avez pas le choix. Vous augmentez seulement en fait les dégâts. Donc c'est pour ça qu'il y a un icône qu'on connaît pas. Un nouvel icône, enfin qu'on connaît pas, je veux dire un nouvel icône que, par rapport au reste. Allez, casse-toi le moustique. Donc voilà, nous avons ces armes maintenant au niveau 6. Ça c'est bien. Et maintenant on peut aussi les réparer du coup à la colle. Donc ça c'est bien. C'est surtout ça en fait que je voulais. Je voulais pas qu'elle reste... J'ai dit 7. Ouais non, c'est 6, pardon. Je voulais pas en fait qu'elle reste au niveau 5 parce que sinon il faut à chaque fois des morceaux d'insectes et tout ça pour réparer. C'est extrêmement chiant. Donc je me suis dit... Roly-poly, or as I call it, the black wheel of death. Et la masse, celle-là devrait faire extrêmement mal, même sur lui, parce que lui, si je dis pas de bêtises... Il est faible, concassé. Bon, on n'a pas épicé. Lui, il est concassé, sale épicé. Ça, c'est le normal. Ça, c'est un maladif, je crois, celui-là qui est là. On peut s'avancer, de toute façon, il va s'attaquer. Non, c'est un normal. Donc, du coup, la masse va faire extrêmement mal. En théorie. Vas-y. Ça va faire mal. J'ai jamais fait au corps à corps, hein, donc c'est peut-être une mauvaise idée. C'est super mal, c'est super mal. Bon, il a toujours son régène. Putain, d'où il me touche? Ça, je trouve ça trop débile. Ça, je trouve ça vraiment trop débile. D'où tu m'as touché? Tu me fais quoi, là? Ok, on va pas sortir ça. Tiens. C'est bon. C'est un peu compliqué au corps à corps, hein, je vais être honnête. Oh la vache. Ça on peut l'esquiver même s'il a... Ouais c'est parce qu'en fait ça fait un... Ça fait une sorte de projeté en fait, c'est pour ça que ça nous fait des dégâts. Enfin, c'est un peu débile honnêtement. Mais maintenant, on peut les faire au corps à corps. Grâce aux deux masses. Bon, c'est un peu dangereux sans bouclier encore une fois, hein, c'est encore très dangereux. Mais yay. Donc voilà, content. Par contre, on n'est pas encore en haut du jardin, j'ai oublié. Bah, c'est parfait, voilà, pour le test, c'est parfait. Donc ouais, deux bonnes masses. Et elles sont résistantes et très bonnes, très bons dégâts et tout ça.
Donc on va utiliser ça. Et surtout, c'est qu'on a besoin juste de barbarien. Barbare, pardon. Oh putain, faut que j'enlève ça. Ça sert plus à rien. Désolé, à chaque fois je veux dire barbarian pour. Parce que chaque fois, dans ma tête c'est en anglais, mais en fait non, c'est écrit en français à chaque fois. On peut prendre ça. Ouais, on peut prendre ça. Faudrait qu'on finisse assassin. On n'a pas fini assassin. Bah tiens, toi aussi tu vas prendre cher du coup. Ça prend cher avec la masse, c'est juste que elle tape pas vite en fait. C'est vraiment ça le truc. Par contre, je voudrais bien voir un peu le régène. Je comprends pas trop comment ça fonctionne ce badge là. Genre, ça donne un régène. Oula. C'est vrai que j'ai oublié de changer ma mutation. Ça donne un régène, mais ça fait quoi d'autre? Ça dit que ça change mon alimentation, je sais pas quoi. Ça n'a pas l'air de faire grand chose en fait. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, non, je crois qu'on a faim en fait plus rapidement parce que c'est constamment. Ouais, ok, d'accord, c'est constamment changé en vie. Je crois que c'est vraiment ça en fait. That was refreshing. Donc, ouf, il faudrait plus d'aliments. D'accord. Moi, bof. Ça a pas l'air très bien, honnêtement. Que je sais même pas si tous les régènes stack en fait. Bah tiens. Parce que je me demande si on n'a pas maximum de régènes. Ok, d'accord. Oh la vache. Ok. Donc bouclier. Oh merde. Putain, on était bien en plus. Oh. On était bien niveau dégâts. Si elle arrive seule. Corps à corps. Vache. Oh la vache. Bon, j'ai pas l'habitude de combattre ça au corps à corps. Vraiment. Ok, ça je sais que c'est deux coups. C'est pas comme la normale. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, sale pute. Non. Ok, toi aussi t'es tombé. Quel combat. Waouh. Barbare s'active pas mal de fois quand même. On s'active souvent, c'est bien. Bon, bah on doit remonter. Attends, où est-ce que je suis? Science is surprisingly awesome. Ah, je suis plus en arrière en fait, d'accord. Du barbecue. Bon bah désolé, on perd un peu de temps. Mais du coup on récupère des choses. Mais ouais, faudrait que je me fasse un ascenseur. Genre un système avec des trampolines ou un système avec une échelle ou un truc. Ici. Comme ça on monte directement au lieu de faire un détour par le... Ou alors que je prenne le temps d'aller regarder s'il n'y a pas un autre chemin en fait. S'il faut, il y a un autre chemin.
Mais barbare, ça marche bien. Hein. C'est sympa. Hein. Ça augmente les dégâts et tout en plus, c'est vraiment sympa. Je pense que barbare au début, c'est peut-être pas vraiment très intéressant, sauf si vous jouez, je sais pas, en coop. Ou à moins que vous soyez un pro du paring, j'ai envie de dire. Si vous arrivez tout le temps à vous débrouiller en fait sans bouclier. Mais ouais, du coup j'ai pris le badge pour rien honnêtement. Mais je pense que après maintenant avec la masse à une main et bouclier, je pense que ça devient vraiment très intéressant. Donc. Vu qu'on peut bénéficier de l'attaque supplémentaire, mais toujours être bien protégé. C'est la première masse qu'on a, je crois, à une main. C'est bien la première. À chaque fois, c'était des masses à deux mains. Il nous manque une flèche. Elle est là. Ne me touche pas. On en a fait une, pas besoin d'en faire une deuxième. C'était juste pour tester, en fait, si ça marchait bien. Oh. Ça. Oh, c'est quoi ça? Partons à l'aventure, partons à l'aventure. On est là pour l'aventure. C'est quoi ça? Des limaces. Oh la vache. Oh la vache, il y en a un peu beaucoup quand même. Oh la pute. Ok, je veux bien partir à l'aventure, mais pas à 5. Ok, elles ont abandonné. Hmm. Ah, ça c'est emmerdant ça, il y en a beaucoup. Alors, et elle fait un peu chier en fait de se balader là. Mais ça me paraît intéressant en fait. J'ai vraiment. Putain, mais vraiment elle va dedans en fait. Saloperie quoi. Qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? On teste. On essaye d'y aller quand même. On va devoir tuer tout le monde. Hein, mais... On va essayer de pull les trucs un par un. Attaque de merde là, celle-là qui m'a touché là, la rapide là, qu'est-ce qu'elle est horrible cette attaque. Je sais pas comment j'étais contre ça, pour moi c'était trop tard mais... Ouh, on a fait un putain de critique. Je crois qu'on a fait un méga critique, on lui a enlevé genre à moitié de sa vie quoi. Ok, là on va souffrir. Oh la vache! Je vois que dalle.
Oh la vache, on est résistant contre l'écrasement et tout ça, ouais. Putain. Rub time. Je me demande si le tir d'arbalète est en compte l'augmentation des dégâts de barbare. Les dégâts sont potables. Honnêtement, ça c'est des choses qu'on faisait genre à l'arbalète et tout ça. I'm all geared up. Tastes good. Des choses qu'on faisait à l'arbalète parce qu'on faisait pas assez de dégâts. Ah, me dis pas qu'il faut une dague. Ah non. Ouh, racine morte, yes. Nickel. Ouh. Cool. Ça c'est peut-être des zones qu'on devrait noter, non? J'imagine que c'est des zones qui repop avec des pierres, donc on devrait peut-être mettre un marqueur. Là j'avoue que c'est important quoi. On va peut-être mettre un marqueur. Peut-être un marqueur genre ici. Donc ça, il faut aussi des trèfles et on est bon. Faudrait que j'essaye de reprendre encore une fois un pet. J'ai perdu mon pet. Enfin, il a dû se faire tuer, évidemment. Mais impossible de retrouver le pet. Je sais pas où il est mort, c'est le deuxième que j'avais. Et du coup, bah, j'ai perdu le casque. Inventaire plein. Putain. I'm not picky. Et du coup, j'ai perdu le casque. Donc ça me fait un peu chier. Le casque de samouraï, là, le gros qu'on avait. Enfin, celui-là en rouge de feu. Ah, c'est là. Donc ouais, ça c'est un peu bête. Voilà, repère personnalisé. Ça. Ça en bleu, ça veut dire défense. Et si on met ça en rouge, c'est attaque. J'en sais rien, honnêtement. J'en sais rien.
Très bien. On est déjà plein. On n'est même pas arrivé où on voulait aller. On est déjà plein, quoi. C'est fou. Bon, on y retourne. On va voir un peu ce qu'il y a. Ok, encore des pierres. Ça devient intéressant de farmer ça. Oh la vache. Si on se débrouillerait pas mieux avec ça, on va tester. Ça m'étonnerait, je sais pas, j'ai peur de me faire défoncer en fait la gueule. Mais... Je pense qu'on a eu de la chance de pas se faire toucher honnêtement. Ouais. Ça peut mal se passer. Ça peut aussi mal se passer. C'est bien. Après, un truc, une autre question que j'ai. Par rapport au gameplay. C'est, est-ce que... Épine larvaire isolante. What? Là, une épine larvaire qui semble absorber la chaleur. Protection contre la grillade. Ouh. Cool, on a eu un autre truc. Ok, il faut changer. Oh, c'est bien ça. Ralentir la vitesse à laquelle la grillade te fait cuire. Ok, cool. Ah, il doit avoir plein de petits accessoires comme ça en fait, unique. Vraiment cool ce système. Donc je disais... That was refreshing. Je disais... Merde, je ne sais plus en fait. Oui, si jamais on charge le coup à moitié, est-ce qu'on a quand même un bonus de dégâts basé sur le temps en fait qu'on a chargé? Ou alors, il faut faire une charge complète pour avoir un bonus de charge? Moi, je me demande ça. C'est vachement bien, ces petits accessoires. Lady Bird Lava sizzling into view. Lady Bird Lava, pull the fire alarm. Merde, elle est bloquée, cette con. On va prendre l'autre, alors. Épine larvaire isolante.
une deuxième. Putain, c'est encore méga grand, quoi. Je vais me faire attaquer par les larves, moi, d'une force. Il y en a au moins. Merde. Non, c'est bon. Ça grouille en bas, hein, ça grouille. C'est méga grand. Putain, mais c'est pas des explorations pour une personne en fait. Oh. Non, mais c'est pas des explorations pour une personne, hein. Pas du tout, hein. Par contre, ça fait un peu chier d'être plein comme ça. C'est parce que ça compte pour un, mais je voudrais bien en récupérer plusieurs parce que voilà, ça peut toujours, comme j'ai dit, ça peut être utile en multijoueur. Du coup, on a pris ce badge un peu pour rien, ça m'embête. J'ai pas d'autres consommables. On va jeter ça pour le moment. Ladybird lava, pull the fire alarm. Fois. Elle résiste vachement à la masse, hein. Il n'y a que maintenant qu'elle est dans le rouge. Honnêtement, on n'arrête pas de taper depuis tout à l'heure avec. Putain, mais ça pète cet endroit. Je commence vraiment à être à court de pierres. Enfin, je suis techniquement à court de pierres. Chaque fois, j'utilise des de la sève et des parties d'insectes. Et maintenant que j'y pense, je crois que c'est les larves pour faire des pierres. Des pierres d'attaque. Ouais, c'est des épines de larvaire. Donc ça tue. Ça tue. On en récupère pas mal. Mal.
Pas mal, pas mal. Alors attends, on va faire... On va faire ça. Lâcher. Hop, très bien. Nickel, on en a 4. On en a 4, ça tue. Non, attends, il y a un passage. Hein. Très content de notre masse là, elle fait vraiment le boulot qu'on attend. Elle est très mal, elle est facile à utiliser, elle est rapide pour une masse. Là, il y en a d'autres. Ok, c'est reparti. Je me demande si c'est pas... C'est ça que je voulais éviter. Je me demande si c'est pas la grotte... Dont on avait fait le tour, là, et qu'on s'était arrêté à mi-chemin. Parce qu'on en a vu, on a vu qu'il y avait trop de monde. Je crois que c'est elle. Par contre... Non, on continue à utiliser les barbares. Parce que j'ai envie de peut-être avoir ça, la choquante expulsion, mais... Mais bon, je pense pas que ça soit mieux que ce qu'on a en fait. Ça fait là, ça. Pas mal. Lupine larvaire. Ah putain. Cours. Putain, on a encore plein. C'est une catastrophe quand même. Donc ça nous en fait 2 et il y en a encore une par terre. Tastes good. Je vais être content quand on aura la nouvelle arbalète là. Putain, qu'est-ce qu'elle va faire mal. Oh là là, top. Je vais arrêter de fouiller les cadavres de toute façon.
hein, quoique. Je sais pas s'ils disparaissent les cadavres au bout d'un moment. Faudrait que je mette l'arbalète dans les mains en fait. Avant de. Donc là on a 3 de ça. Moi je serais pour les rattraper. Vu que c'est un drop un peu aléatoire, je serais pour les prendre hein, avec moi, les 3. Hein. Par contre, je pense que je vais jeter ça. Pour le moment. On va voir. Nickel. Notre masse va bientôt casser, mais on a de la colle sur nous. Eh ben, on sait quel type de représailles on va avoir bientôt. On sait quel type de représailles on va avoir. Par contre, j'ai ma faim qui descend une vitesse. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Non, c'est pas le même endroit. J'ai rien dit. Oh la vache. Oh, c'est fou. Il y a du 3 en plus. Oh. Eh ben, c'est un super endroit pour les pierres. Notre épisode, ça va être que de ça. Ça va être que ça. Attends, je voudrais d'abord tout récupérer pour voir un peu. Mais c'est difficile. Peut-être qu'avec l'équipement de la coccinelle, on aurait pris moins cher, mais bon. On a pris plus de temps à tuer, peut-être. Ok. Alors, je vais voir un peu toutes les pierres qu'on a. Ça, on peut les lâcher. Ok. On peut lâcher les petites. Genre là, on a 25 petites. On a déjà un stack, pas besoin d'en avoir deux. Là, on a les suprêmes. Voilà, très bien.
Tac, 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 tac. Ah, notre masse, si elle casse, elle va tomber par terre, je crois, parce qu'on est plein. Je devrais la réparer maintenant, en fait. Oh la vache. Je pense qu'on va rentrer. Là, on monte. Là, on vient pas de là, hein, je crois. Non, c'est là qu'on s'était arrêté. Donc, le chemin pour l'ouverture, elle est là. Enfin, quelque part par là. Et ça, ça va nous mener près du... Ouais, voilà. Ça va nous mener près du poste de recherche. Ok, ça marche. On va aller voir ce qu'il y a là. Non. Ouais, et là, c'est le poste de recherche. C'est ça. Il y en a d'autres. Il est où mon casque cassé? Il est tombé par terre. Ok. Qu'est-ce que j'ai récupéré du coup ça? Oh la vache! Hop, ça c'est bien la colle. C'est trop bien la colle. Du coup, hop, relumière. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. J'avais posé plein d'objets, ou alors les pierres peut-être. Peut-être mieux de prendre les pierres. J'en sais rien en fait. C'est quoi ça? Les fragiles. C'est une épinard vert. C'est quoi le nom de la spéciale? Épinard vert isolante. Très bien. Fragile. Bon, on va rentrer. Je vais faire un aller-retour. Ah, il y a encore une isolante là. Combien il en faudrait? 4. Et on joue à 4, le maximum, c'est ça? Je crois. Le maximum de joueurs dans le jeu. Ah putain, c'est relou.
Je sais pas quoi poser. Oh, ça me rend fou, quoi. Bon, on rentre. Là, en plus, on a plus de nourriture. J'avais pas fait attention. J'avais oublié un peu ce détail. Bon, moi je vais couper du coup. Et on continue notre exploration après du jardin, du haut du jardin. A tout de suite. Ok, on est de retour dans le haut du jardin. Donc, lui je pense pas qu'on ait besoin de le faire. Oh la vache. Train de dernier. On va se balader d'abord un peu là, je crois. Enfin, pareil au même. On va faire ligne droite et puis on va se balader, on va découvrir des choses. On va explorer comme ce qu'on a fait. Hein, j'ai pu faire plein de pierres. C'est trop bien. Pour les mises, les upgrades des armes et tout ça. Oh, c'est vraiment trop bien. J'ai pu faire plein de pierres. Sel ici, on peut en prendre. Ça sera bien pour les cubes. Mais ouais. Mais ouais, l'exploration. Donc on va sûrement rencontrer des fourmis. Bon, ça avec le porte, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, des graines, je veux bien. Parce que ça aussi, je vais m'en servir, parce que pour l'instant, je m'en sers pas vraiment. C'est les jardins, là, qu'on peut faire. Les jardins qu'on peut faire. Parce que j'ai agrandi le mur et tout ça. Là, j'ai fait un nouveau mur hein, dans notre base. Et je me dis que je vais arranger... Enfin, je vais un peu reaménager et je vais agrandir la sorte de cour, en fait. Et on va mettre des jardins, plus de jardinières, là, pour faire des pousses de champignons et de trucs. Donc ouais, on va faire plus de choses, quoi. Plus de choses. Donc il me faut les graines. J'ai rajouté énormément aussi de récolteurs de sève, là. J'en avais, je peux, 4 ou 5, je crois. 5, je crois. J'en ai mis 5 ou 6 de plus, je crois, un truc comme ça. Parce que ça aussi, ça commence à vite partir, en fait. Vu que on commence à crafter, en fait, des pierres pour les upgrades. Donc, ah, il y a lui, tiens. Est-ce qu'on peut le faire? J'ai envie de le tester. Oh, oh, oh. Lui, il est faible contre les masses. Ouais, mais... enfin, il est un peu teubé aussi, qu'est-ce que je vous dise. J'essaye. Ok, on va aller au corps à corps pour tester. On va voir ce qui se passe. Oh, d'accord. Là, il s'énerve. Putain, mais il me touche. Oh la vache, ça m'a pas touché ça?
que ça m'a touché. Je sais pas si je suis chanceux ou pas. Merde, y a une fourmi. Chier. J'ai envie de dire que les cloportes sont plus chiants. Je vais être honnête, les cloportes sont nettement plus chiants à faire. Ouais, mais large. Putain, là aussi, c'est un sanctuaire de champignons. C'est vrai que j'avais oublié ça. Vas-y, ramène-toi. Tu restes longtemps étourdi. C'est vrai que j'avais oublié que les fourmis restaient longtemps. Ah oui, mais c'est vrai que nous, on va sûrement rencontrer des fourmis, du coup. Du coup, Fourminator. Ah oui, j'ai fait des flèches en bois aussi. Parce qu'il y a des vampires, il paraît. Non, je déconne, parce que je pouvais... on pourrait faire un lieu aussi là. Genre un marque. Ouais, on pourrait faire un super marqueur parce qu'il y a plein de champignons aussi. Putain, c'est abusé. C'est vrai que j'avais oublié ce passage. Hop. J'avais légèrement oublié ce passage. C'est super joli ici, je trouve. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah. Merde, deux. Il y a des endroits super jolis, on dirait vraiment des forêts et tout ça, quoi. C'est vraiment cool. Merde, j'ai plus d'endurance. Chier. Allez, l'endurance! Alors, bien joué, bien joué. La mutation, je serais pas étonné qu'on soit mort en fait. Ah putain, mais quel con! Combat même pas avec, avec le set complet quoi, quel débile! Quel débile! Je me disais aussi pourquoi j'ai l'impression de prendre cher. Alors attends, il me manque des trèfles, je sais pas où sont les trèfles ici.
J'imagine que les trèfles sont pas très loin quand même. On va tester ça un peu. Cher. Ah ouais. Ah ouais, elles vont passer un mauvais quart d'heure les fourmis en fait. Oh putain, elle était dans le mur. C'est un peu la masse, je suis sûr qu'il doit genre one shot les fourmis si vous prenez le... Mais merde, putain, il y en a combien quoi? Le set qu'on a fait là du buff et qu'on fait des attaques chargées et tout. C'est un peu abusé. Est-ce que les fourmis... Ah! C'est bon? Les fourmis rouges, elles sont faibles contre le froid. Non. Oh, merci. Non, mais j'ai pas envie de la combattre, elle. Putain, elle casse les burnes. Elles sont faibles contre le froid. Après, je sais pas s'ils sont faibles contre les masses. Mais... En tout cas, le froid, oui. Bon, pas de trèfle, ça c'est la... Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh, machin. J'arrive plus, chaque fois j'oublie les noms. Oh. Let's see what's around here. Ah, d'accord, il est accompagné et tout. Rub time. Ça ira. Merde, il m'a vu, non. Tastes good. Oh la vache, j'ai pas aimé ça moi. Ça fait pas extrêmement mal en fait la masse quand je regarde. C'est des bons dégâts stables en fait. Et puis ça le étourdit souvent. Et puis on arrive à se buffer et tout. C'est pas extrêmement mal. Oh, mais il est mort. Il est mort de quoi? Hein, il est mort de quoi? Je l'ai pas tapé. On a eu une seule corne, c'est la dèche. Encore que maintenant on a des grosses masses et tout pour faire mal, hein, parce que putain. Oh. Ah non, 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 non. Bon, les trèfles. Quand vous voulez. Pas de trèfle, c'est bien. Il y a zéro trèfle ici. Ah,
on va le marquer sur la map. Si on l'a pas déjà fait. Super mixeur. Tu veux pas le marquer sur la map, bordel de merde? Ça. Est-ce que c'est un bug? Parce que il y en a qui se sont marqués, il y en a dont. Non, je comprends pas. Ok, c'est ça. I'm burning up. Les larves. Ah non. Having a little peep. Chier. Commence à faire nuit. Toi t'es Keblo. It's no lemon crime, but okay. It's better than nothing. Ah! Let's go! Ouf! Alors. Est-ce qu'il y a des barres de céréales? Pas du tout. bah du coup, on a rien à faire. Ah, mission. Tuer des orbitelles. Ça, c'est les... Les araignées. On peut pas avoir des missions comme ça, plutôt. Je crois que celle-là, il faudrait vraiment les finir. L'exploration. Comme ça, je crois qu'elles reviennent plus, parce qu'une fois qu'on a mis le drapeau, bon, on a mis le drapeau, quoi. Donc, honnêtement, je crois que je vais même regarder sur Internet. Comme ça, on peut faire les autres, quoi. Comme ça, on peut enchaîner. Donc, on a 3600... Non, on va garder les 3600. Parce que... on a ça à faire. Donc peut-être qu'on va avoir des trucs encore mieux à acheter. Par contre, ça, c'est intéressant. Donc, je pense qu'on va prendre... Vu qu'on est à 4, je dirais la vie. C'était pas vraiment prévu d'être à 4, mais... Par contre, je voudrais bien trouver pommes de pin. Ce serait cool. On a toujours un trèfle à trouver pour le marquer les champignons. Bon. À la limite, on s'en tape. On fera un jour ou l'autre. Où est-ce qu'on peut aller? Pourquoi j'avais un cœur qui bougeait? Je sais pas. On a de la bouffe encore. On a ça et c'est tout. Ça marche. Un truc que j'aimerais bien, c'est aussi un kit pour faire cuire les aliments. Qu'est-ce que ça serait bien, ça? Genre qu'on puisse chasser et après faire à manger. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, après, on peut faire toujours un truc nous-mêmes, mais c'est un peu chiant, quoi. Des branches. Quoi, l'herbe sèche, en fait. L'herbe sèche, c'est chiant à trouver. Très chiant à trouver. C'est vraiment pas partout. Ça va, il fait assez joueur, pas besoin de lumière. On va faire... C'est quoi ça? C'est une caisse à outils? Ça. Menace? C'est la larve là? Ladybird lava, watch out! Okay. Ouais, c'est la larve. C'est une caisse à outils? Plein de rouille, je pense, du coup. Je vois rien du tout. Ah, c'est peut-être un peu plus agréable ici, parce que... Faire du combat constamment... Même ça, c'est rouillé, apparemment. Faire du combat constamment... Non, ça non. Pardon. Avec les... C'était quoi, les termites, là? Ça fatigue, hein. Ça fatigue un peu.
faire gaffe parce qu'il y avait une wolf qui se baladait. Oh. Putain, j'ai pas vu. Ah putain, juste quand je baisse mon MacGuard quoi, j'en ai marre de faire ça tout le temps. Est-ce que la wolf elle est résistante au con cassé ou pas? Non, elle est résistante à l'empalé. Après taillade coupe, qui est bien pour elle. Je peux prendre à la limite la lâche. Lâche fait très mal. Yay, deux chewing-gum, deux éclats. Putain. Ce bruit. Ah, corbeau, ok. Ouh. Il y a des larves et il y a des araignées là-dedans. C'est des fourmis. Attends, est-ce qu'il y a la fourmi et la larve en même temps? D'accord. Ah la putain merde. Ah, je sais de quoi elle est morte. De quoi il est mort le machin. C'est ça. C'est, reflète une partie des dégâts vers l'attaquant. Cool. J'avais oublié. Enfin, je pense. C'est quoi ça? Je vais la terre. What? Elle est dans la paroi. Elle est bloquée dans la paroi. Oh la vache. Je me suis pris le coup. C'était pas trop voulu. Just like a fruit pounder. Oh la vache. Je sais pas où elle est. Ouais. Bon, elle a failli crever, donc autant ignorer. C'est quoi ça? Bon, c'est sympathique ici. Parce que maintenant, on a quand même du bon équipement. Encore une fois, on s'est bien mis à jour en équipement.
Donc ça va, c'est sympa de se balader. Ah, c'est une batterie. Ok. C'est quoi ça? Tyrolienne. Je vais crever là ou quoi? Je sais pas, pour moi il y a le courant. Donc on va peut-être éviter. Par contre, je sais pas quoi faire. Having a little peep. Je sais pas où aller. Ouais, là-bas il y a du bordel apparemment. Il y a des trucs violets. Faut voir la carte. Où est-ce qu'on est? Ouais, en fait, je me suis un peu... Ouais. On va pas où on doit aller, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On explore. Putain, je vais jamais y arriver. Attends. Si, je vais y arriver. Nice and safe. Voilà. Je pense qu'on peut monter sur ce câble. Why drink coffee when you could have a lemon crime instead? Chavamatique. C'est simple. Après, ça a une petite ambiance spéciale hein, de faire ça la nuit. Hein. Enfin, on s'est retrouvé la nuit, c'est pas comme si on l'avait choisi, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? On, commencer. Vas-y. Insuffisance, power. Ok, il n'y a pas assez de puissance. Attends, je crois qu'il y a un autre message. Il y a cell, je sais pas quoi. Cell missing. Quoi, cell? Ah putain, je vais trop vite, je crois. Unbeginning cell missing. Ok, bon, il y a un truc qui manque. Il y a une cellule qui manque, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est un trou dans la case. Ah, il faut peut-être une bombe. Ça, des bombes, j'en ai sur moi. Ah, maintenant, je garde toujours des bombes sur moi. On sait jamais. Ah ah! Voilà. Batterie. Tout ça pour ça? Faire quelque chose. Ok, je crois que c'est pour activer quelque chose et ça sera au centre. Bon, par contre, je voudrais bien. Putain, quand. Mec, il fasse jour, quoi. J'ai l'impression d'être dans genre Dino Crisis quoi. Je l'ai fait récemment, c'est pour ça.
J'ai l'impression d'être dans la jungle et tout, qu'il y a des dinos partout, enfin des menaces on va dire. Mais genre vraiment la jungle épaisse quoi. Et avec quelques trucs humains en fait, genre Dino Crisis 2. Alors, on va prendre la tyrolienne je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre faut activer les trois. Par contre, il y a quoi en dessous de moi? Oh! C'est quoi, c'est une larve? Non, c'est une fourmi. On va se mettre là. Tiens, ça fait. Ah, quand il y a barbare qui... se déclenche dès le début, c'est chaud. Mixeur module A. Mixeur module C. Ouais, on peut les détruire, mais pourquoi je ferais ça? Mixeur, c'est bien? Non? Attendez, pour une fois... on sauvegarde. Je veux pas faire de conneries. Non, ça m'étonnerait qu'on doive les détruire. Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il faut les défendre plutôt, mais on va voir. Est presque hein. Non, on va recharger ça. Non, je sais pas ce qu'il faut faire. On va les laisser tranquilles. Parce que personnellement, moi, je les laisserais tranquilles, en fait. Mais bon, vu qu'on pouvait leur faire des dégâts, je me suis dit, bon, on va tester. Je pense qu'il faut les défendre. Peut-être que, genre, on va allumer ça, là. On va avoir des vagues. Le défendre. Ah putain. Ouais, te protège pas du tout, c'est bien. Putain, ça va faire mal ça.
Ah la vache, j'ai du mal. Voilà. Ça c'est la batterie. Putain, la fourmi était dans la pierre encore. Bon, je commence à perdre patience là. Je sais pas trop. Bon, on va suivre les câbles. Simplement. Là, je pense que celui qui est allumé, c'est celui-là qui est sur la batterie. Bon, là, il va dans le sol. Ah, je peux le voir. Ok. On va suivre les câbles, tout simplement. Je crois qu'il faut alimenter les trois câbles, et puis basta. Il y en a un qui est alimenté, déjà. Je pense que c'est celui-là qui est relié directement à la batterie. T'es sérieux? Elle est toujours derrière moi? Putain, elle est toujours derrière moi. Là aussi c'est alimenté. Non mais sans déconner quoi. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Je comprends rien. C'est pas la même batterie que je regardais en fait. Il va bientôt faire, je crois. C'est quel... Comment on fait pour savoir lequel est allumé, lequel fonctionne? J'arrive à où lui? Là aussi il y a plein de champignons, c'est fou. Oh la vache. Que de ça quoi. Smart, fast, lucky, or just wear some armor. On doit en tuer, on pourrait le faire. Est-ce que là je reviens sur mes pas ou pas? Je sens que je vais rentrer en fait. On va mettre fin à l'épisode maintenant et je vais rentrer parce que là... Vas-y, ramène-toi. What the fuck? Je crois qu'il s'est libéré en m'attaquant quoi. Chier quoi. Le machin il s'est libéré en m'attaquant, putain. Le comble du comble, quoi. Hey, je sais où on est. Je sais où on est. On est... Putain, on est revenu vers le... Vers le centre. Bon.
On va se rebalader 5 minutes. On va voir si on trouve des trucs intéressants. Et sinon, je m'arrêterai. Et je retournerai à la base, moi, parce que j'ai envie de l'améliorer. Vu que maintenant on a des graines et tout. Et la prochaine fois, je viendrai directement ici. Et on continuera notre exploration. Parce qu'il y a plein de trucs encore à voir. Il y a vraiment plein de trucs ici. Je dois être dans le mur. Non ? Il y a ça aussi. Est-ce qu'on peut les casser ou pas? Non. Ah putain. Je me retourne et ça crache. Oh la vache. C'est bon que je fais à chaque fois. There's a roly-poly. The Insect Kingdom's battering ram. Bonjour, excuse-moi. Le chewing-gum, ça marche. C'est quoi comme machin, l'os, là? L'os... un dinosaure. Super. Ah, là. Là-haut. Ah, je sais ce que c'est avec les dents comme ça. C'est pas un lapin? Peut-être pas. Peut-être un peu gros pour un lapin. Je sais pas. Ah ah! Ah, peut-être pas. Je veux juste voir ce que c'est. Gonna have a look around. Il y a des pierres, là il y a une sorte de balle. I'm all geared up. Où est-ce qu'on est encore? Vas-y, on peut pousser la balle. T'es sérieux? Ah. Je sais pas à quoi ça sert. Ah! Faire un... une plateforme, peut-être. En fait, je crois. Enfin, j'en sais rien, en fait. Peut-être, en fait. Non, non, si, peut-être. Si, mais c'est trop ça en fait. Ah merde, c'est celui-là qui est intéressant. C'est trop ça pour faire une plateforme. C'est du 3. Oh putain de merde, c'est du 3. Le problème du
de l'inventaire. J'ai pris le rebut, j'ai pas pris le petit par contre. Merde. Bon, je vais faire moi pour. That was refreshing. C'est un peu lent là. Là, j'avoue que ouais, c'est pas super affolant. Là. Après, on peut pas tout le temps faire full combat, mais... Je crois que je vais avoir un gros problème pour prendre la dent. Je sens que ça va être relou. Sans déconner. Ah, on peut le pousser avec un bouclier. D'accord. Pas besoin de taper en fait. Est-ce que je peux directement prendre balle? Non, il me faudrait un. Juste un petit saut en fait. Putain, mais il manque rien. Je sais pas comment. Si je l'avance là... Alors, je vais pas être dedans. Enfin, je vais pas être assez proche du... Tu veux quoi? Tu veux que je reste sur la boule le temps qu'elle... Qu'elle roule? Oh là là, ça commence à me gaver. Ça y est, j'en ai marre. Je vais mettre fin à l'épisode, ça va me saouler. Putain de merde. Ah, mais ça c'est des trucs de merde. Putain. Je gonfle. Complètement con. Ah, trop bien, vraiment bien. Oh là là, fou. Super intelligent d'avoir mis un putain de plafond là aussi bas quoi. Non, fou. Si j'avais pas besoin de faire le tour tout le temps aussi. Ok, comment on fait maintenant? Je me mets là, tu vas vers mon... Alors ça fait poids ou pas? Non? Non, pas du tout. La lumière, on voit que dalle aussi, c'est bien. Ah putain, vous le sentez là le fun là ou pas? Est-ce que vous le sentez? Parce que moi je sais pas, moi je crois que je l'ai perdu. Ouais, non là je confirme, moi il est parti le fun. Hein. Alors moi qu'il y a une mécanique que j'ai loupée parce que là. Alors, j'arrive à m'avancer, mais après ça recule à chaque fois.
Il faut être deux. J'arrivais à monter dessus directement. Oh. Quoi? D'accord. Ok, on s'en fout. On va pas demander. N'importe quoi. Je crois que je suis monté parce que là il y a une petite montée en fait. Ça a marché du coup. Super. Trop bien. Bon, on se casse d'ici, ça m'a gavé. Je crois. On va essayer de trouver le. Je sais pas, le poste de recherche ou je sais pas quoi. La chrysalide, on s'en fout honnêtement, parce que de toute façon je suis plein. Ah, des trèfles. Putain, c'est que... On était déjà venu là ou pas? Je me rappelle. Ah oui, si, je me rappelle de là. On s'était arrêté là parce qu'on avait vu plein de moustiques. Ah, mais ça doit être des gros moustiques, je crois. C'est pas les moustiques tigres là-bas? Fancy sports car would be a nice reward for going through all of this. Maybe not this one though. Nickel. Et ça, c'est des bonbons acidulés. Je suis plein par contre. Mais bon, c'est la première fois qu'on en récupère. Première fois qu'on en récupère, donc on en profite. Ça, c'est le plus commun où je suis. Nickel. Ah ouais, mais je peux rien prendre de rien en fait. Ça, il faut qu'on le l'analyse. À la limite, je peux virer ça et ça. Tout le reste, je m'en sers. Non, me bloque pas, putain. C'est la pierre que je veux, bordel. Merci. Bon, on va s'arrêter parce que là je commence un peu à fatiguer. Et on... Enfin, c'est bien là, mais on a des nouvelles choses, mais je commence à fatiguer quand même. Donc on va s'arrêter. Et on continuera la prochaine fois avec les nouveautés. Let's see what's around here. Ouais, ici c'est pas mal. Ici, c'est pas mal, cette section-là. Et on va devoir faire ça. Là. Mais... ouais, là, ça a l'air vénère, avec les moustiques et tout ça. Donc, on verra plus tard. Enfin, je crois. C'est des moustiques normaux ou pas? Non. C'est les moustiques tigres. Donc avec ça, on pourrait faire la rapière.
Et dans l'eau, il y a sûrement de la mousse aussi. On avait vu sur le poste de recherche. Merde, Oh la vie qu'ils ont. Bon après, ils ont l'air d'être exactement pareils que les anciens. Ah! Que tu reset hein, parce que j'ai pas de place pour sortir mon arbalète, donc je ferais vraiment chier. On y arrive. Elle est bien cette masse, putain. D'accord. Tiens. Bon, vu que t'es notre premier, on va devoir faire une place. On va devoir faire une place. Oh putain, plein de choses quoi. C'est pas la poche de sang qu'il faut. Ça. Bec de moustique tigre. Et du coup, on va pouvoir faire la rapière. Il en faut deux. Merde. Rapière façonnée à partir d'un moustique encore plus mortel. Ouais, elle est pas mal. Tastes good. Ah putain, non, ne gaffe pas toi. Je peux monter ou pas? Ah, vous savez quoi, on va partir. On reviendra la prochaine fois. J'espère qu'il n'y a pas de pierre. Non, ça va. Comme la dernière fois. Où on est tombé, on est mort direct, quoi. C'est explosé. Mais ouais, comme j'ai dit, est-ce que je peux faire, ce serait un... un accès... si j'ai le temps... Ouais, genre là, en fait. C'est le plus court. Mais je sais pas. J'ai juste pas envie, en fait. Mais on pourrait. Genre une échelle ou une série de trampolines. J'ai déjà vu des gens faire ça. On fait juste une série de trampolines, ça marche. On va analyser ce qu'on a. On est juste à côté du labo principal, donc on va y aller. I'm all geared up. Donc déjà on analyse ça, puis après j'augmenterai ma base, je changerai des trucs. On va se faire sûrement attaquer par
je sais pas, je dirais les larves, parce qu'on en a tué quand même un bon paquet. Mais j'ai pas eu de message de genre comme si elles étaient vénères ou quoi que ce soit, donc je sais pas. Non, qu'est-ce que je fais? Code de réparation, flèche acide. Donc les flèches, je crois en bois qu'on connaissait pas, c'est sûrement les flèches acides. Ah non, c'est les flèches en plume. Simple flèche qui invite des dégâts acides. D'accord. Donc il y a un autre type de flèche, genre ça là. Je sais pas ce que c'est. Après, du coup, comment on fait les bâtons spéciaux là? Genre à distance. Plus c'est 10. Ah oui, non, c'est parce qu'il manquait à chaque fois ça. Ouais, quand on aura accès aux morceaux de pommes de pin, là, faudra en prendre et on testera les bâtons. Parce que c'est aussi à distance. Je me demande si c'est pas même mieux qu'un arc. Faudrait voir. Faudra voir comment ça fonctionne. Il y a tellement de trucs dans le jeu, c'est trop. C'est impressionnant. C'est impressionnant quand même, je trouve. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est impressionnant, genre ça s'est jamais fait, mais c'est juste que tout est bien fait en fait. Donc c'est cool, c'est vraiment vraiment cool. Et là-bas, il y a mes récolteurs de sève, là. J'en ai rajouté. J'ai mis des lampes aussi. Maintenant, il y a tout ça. Donc, ça aussi, ça va aider. Et je voudrais toujours que je fasse une sorte de piège pour... avoir des charançons, des trucs, enfin des choses quoi, pour la vie, pour des repas. Je me rappelle qu'avant quand même, je prenais le temps de ça, le temps de me faire plusieurs repas. Ça me permettrait d'avoir quand même pas mal de gros soins en fait. Maintenant, je le fais plus parce que voilà, ça prend un peu trop de temps à chaque fois. Mais on pourrait refaire ça aussi. On va en faire... Ah merde, j'en ai pas assez. On va en faire 5 déjà. Ben, nickel. Désolé sur la fin, c'était un peu fatigant. Mais enfin ouais, il y a beaucoup de choses des fois. Des fois, ça prend un peu de temps. Il y a les pierres à faire. Ah oui, il y a la corne à rendre parce que ça c'est bien pour la masse. Regardez. On a récupéré pas mal de nouvelles pierres aussi, d'upgrade là. Ça c'est pas mal, ça, je suis content. On a des grosses en plus. Donc ça fait plaisir. Nickel. Très très bien. La colle. Ça c'est bien. On va la faire avec... toujours ça pour le moment. Ouais, c'est super pour le moment. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais peut-être un peu améliorer la base et après on continuera la prochaine fois. Du coup, on continuera. Je vais peut-être me téléporter directement là. Enfin, me téléporter. Commencer genre le prochain épisode ici. Peut-être.
Je crois qu'il y a une araignée qui passe à côté de moi. Mais ouais, on fera ça, comme ça c'est nouveau, et puis on récoltera des nouveautés, on fera aussi le... comment ça s'appelle la rapière, la nouvelle rapière avec les moustiques tigres. Ça peut être pas mal. Donc ouais, on fera des trucs. Je suis content, ça avance petit à petit. Voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.